Madame Gorit. Also, grüezi miteinander. Ich bin sehr zufrieden, hier zu sein. Und wie Bundesrat Oki sagte, die Sonne scheint und Freude herrscht. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite aujourd'hui la très cordiale bienvenue à Lausanne. Pour la première fois en Suisse romande, déjà pris, c'est dire que le choix est excellent de venir dans le canton de Vaud pour votre conférence annuelle que nous sommes honorés d'accueillir dans cette salle de Paderewski. Le programme et la qualité des invités laissent présager une journée passionnante de présentation et de discussion, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, je n'aurai pas le plaisir de les suivre parce qu'aujourd'hui siège le Grand Conseil vaudois, le Parlement, et je défends un grand projet de tram, puisque le tram a quitté le canton de Vaud dans les années 60. Il a fallu déconstruire le tram pour laisser la place à la voiture. Et maintenant, nous faisons le contraire, donc vous voyez que l'histoire se répète. Nous essayons d'enlever un peu la voiture pour faire revenir le tram. Et c'est aujourd'hui que nous discutons cela au Parlement, si bien que je ne pourrai pas assister à votre journée de débat, et je le regrette. Les principes défendus par votre association sont évidemment admirables et ne peuvent, sur le principe, que susciter l'adhésion. Ils s'inscrivent dans une longue et noble filiation historique qui remonte au siècle des Lumières. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 exprime explicitement le droit pour la société et ses membres de demander des comptes aux agents de l'État sur leur administration. Rendre des comptes est une première forme de transparence, et ce principe a constitué l'un des fondements de nos collectivités publiques démocratiques depuis lors. Ce principe, j'y suis personnellement attachée, sur le plan des principes d'abord, tant il est évident que les citoyens ont un droit à savoir comment sont appliquées les décisions qu'eux ou leurs représentants ont prises, à connaître l'utilisation qui est faite des ressources qu'ils confient à l'État par l'impôt, à disposer des informations pour se forger une opinion politique. Mais la transparence revêt aujourd'hui, dans le monde contemporain, à l'heure de l'information directe, et vous avez évoqué Twitter ou Facebook tout à l'heure, à l'heure de cette numérisation généralisée, une sorte de nouvelle importance. Elle permet, à mon sens, de créer un nouveau flux d'informations entre l'action publique et la société, qui ne passe plus uniquement par les intermédiaires traditionnels, que sont étymologiquement les médias. La disparition de toute médiation, de toute autorité tierce entre l'émetteur d'une information et le grand public n'est pas souhaitable. Il faut toutefois constater la perte de légitimité de certains de ces relais traditionnels. Les grands journaux, les chaînes audiovisuelles principales ne font aujourd'hui plus autant autorité qu'il y a quelques années encore. Il faut constater cette évolution, mais il ne faut pas forcément ni s'en réjouir, ni se résigner. L'ordre ancien, parfois trop hiérarchique, qui laissait le monopole de l'expression publique et parfois de l'interprétation politique des faits à une petite minorité autorisée, les médias, n'a pas vocation à laisser inévitablement sa place à une autre sorte de chaos informationnel indifférencié. La coexistence anarchique de contenu n'est pas la liberté, au contraire, elle est la condition même de l'aliénation et déplora des effets négatifs, d'abord sur celles et ceux qui disposent le moins sur le plan individuel de capacité à filtrer et de trier l'information. Contre la résignation, j'estime que des solutions existent. Les mécanismes qui émergent sur Internet pour faire émerger du consensus, y compris sur la véracité ou la précision des informations, l'illustrent. Mais l'État, au sens large, peut aussi apporter sa pierre à l'édifice, et il peut le faire à travers la transparence. En mettant à disposition de manière immédiate, sans compter à l'excès sur ces relais traditionnels que sont encore les journaux, en proposant plusieurs niveaux d'accessibilité,
du texte illustré aux données brutes, il peut apporter une réponse constructive aux défis qu'est l'information et sa gestion dans notre société d'aujourd'hui. J'en suis convaincue, la transparence et l'ouverture des données et des connaissances des collectivités auront un rôle fondamental à jouer dans une société de l'information qui fonctionne pour tous. Mesdames et messieurs, je ne vous le cache pas. Si je crois fermement aux principes que je viens d'avancer, le canton de Vaud a encore devant lui de nombreuses étapes à franchir avant de réaliser pleinement cette vision, sans parler de se conformer aux 10 principes de l'open data qui figurent dans le manifeste de votre association. La tâche, mesdames et messieurs, n'est pas seulement qu'elle exige des efforts technologiques, mais aussi une petite évolution culturelle et des mentalités assez profondes. Face à elle, nous devons rester donc humbles, et c'est en toute modestie que nous tâcherons de tirer de votre journée, d'ailleurs à laquelle participent quelques employés de l'État de Vaud, et je les salue, eh bien, à laquelle nous essayerons de tirer des enseignements utiles pour progresser, parce que pour qui croit au progrès, c'est toujours enthousiasmant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre attention.